Bon, on a fait au massacre. On va bien voir ce que ça va donner. Bien que, bon, s'il apprend rien, finalement, on va pas aller très loin, quoi. C'est quoi ces petites stats? Fais voir. Voyons ces stats. 124, 113. Avec lévitation, du coup. Ouais, bah... Attends, est-ce que j'ai réellement le choix? Pas se mentir, hein. Bah, c'est vraiment celui qui a la meilleure défense. Oh là là, mon petit porc dans la merde, nous, hein. Du coup, pour respecter le bail, on va remplacer du coup ça. Pour l'instant. Oula. Voilà. Mais du coup, je fais quoi avec lui? C'est ça le problème, c'est que je fais quoi avec lui? Parce qu'on a un truc qui tape. On va voir si je peux lui apprendre des CT intéressantes. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Qu'est-ce qui peut être intéressant? Est-ce que genre... un griffombre, ça peut être intéressant? Je pense qu'il peut l'apprendre, ça, griffombre. Il y a littéralement rien, en fait. Genre, vraiment, c'est... je suis bloqué, en fait. Je suis bloqué. Alors je trouve une... Enfin, je trouve un truc. C'est vrai que la solution serait d'aller chercher point glace, quoi. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de farmer les tessons? Non, hein. Je pensais pas que je galérerais autant sur cette arène. Et en vrai, c'est la seule arène où je vais vraiment galérer, puisque celle d'après, c'est l'arène de type O. Donc à mon avis, ce sera littéralement comme l'arène de type vol, c'est-à-dire qu'on va vraiment survoler le truc. Mais j'avoue que c'est un peu la galère. Puissance cachée glace. Mais en fait, le problème, c'est que puissance cachée, on l'a en faisant du PWT, en fait. C'est le même problème. Le problème reste le même, il faut avoir 18 points combat. 18! C'est encore plus long que de chercher des tessons. C'est ça le problème. Ça casse les couilles, ça casse les couilles. Je ne sais pas quoi faire. Tu peux te filer quelque chose, pour les PCO. Pour les levels, ça me dérange pas de passer par Pokéx, mais pour le reste, bon... C'est un peu sad, quoi. Merci. Bordel le cul. En fait, le problème, c'est que c'est 10 tessons rouges, genre. C'est 10 tessons rouges, c'est immense. Est-ce que... Attendez. Est-ce que cette info existe? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ah... Le problème, c'est que les tessons rouges, y'en a pas beaucoup, quoi. Ah, y'en a pas beaucoup des tessons rouges, malheureusement. Y'en a à Méanville, sur la route 22, au chemin enfoui, sur la route Bardane. Et avec le cherche-objet dans le désert des Lassans, à Tour Dracospire et la route Victor, mais je peux pas y aller à cela. Ah non. Le joueur peut aussi en obtenir lors d'une investigation dans le radar Pokémon. Ah, attends. Ah, mais je peux pas investiguer, j'ai pas d'enquête. Ah, mais je peux pas investiguer. Mais c'est l'enfer Oui. Souffle glacé, puissance cachée. Oh, frère, je sais pas quoi faire. Au pire, je vais essayer de faire la... En vrai, il y a peut-être un truc qui peut marcher.
Et encore, il faut que... faut qu'on soit chanceux sur certains trucs. C'est... bon, je me permets, hein, je me permets... Bah non. Oui. C'est... ouais, y aller avec Emolga... Emolga Acrobatie, hein. C'est ce que je te dise. Je vais faire Ebolga Acrobatie, hein. C'est ce qui tape le plus fort dans mon équipe, hein. En soi, c'est un gros 110, vol. Donc pas... pas nerfé parce que... Et parce que ça reste neutre contre le petit dragon. Ouais. J'avoue que c'est... Je vois pas d'autre solution, hein. Bon, allons-y, hein. En fait, il faudrait que j'ai le temps de boost Emolga, mais j'aurai jamais le temps. J'aurais bien aimé lui mettre un attaque plus. Tu sais, un petit attaque plus avant de commencer. Puis ça part, quoi. Ouais, c'est juste plus 1, le attaque plus de maintenant, mais... Enfin, de jeu là, mais... J'ai pas vraiment de solution. Sinon, oui, j'aurais pu juste me filer des points combat ou me filer des tessons rouges, mais bon... Est-ce que c'est vraiment... est-ce que c'est vraiment si legit, hein? C'est pas un Nuzlocke, non. Non, plutôt crever le Nuzlocke, pas te mentir. Merde. Non, le jeu est déjà assez dur comme ça, je vais m'amuser à mettre Nuzlocke en plus. Là, si c'était un Nuzlocke, on serait au début du jeu encore. Je vais recommencer le jeu 3-4 fois déjà. Donc non, c'est pas un Nuzlocke. Le but, c'est quand même de s'amuser dans le jeu, quoi. Allez, ouais, je sais Watson, ouais, allez. Allez, vas-y. On va tenter la strat, hein. Je vais tenter la strat de mettre un attaque plus premier tour. En espérant qu'en face, il ne fasse pas trop de dégâts. Mais bon, je... J'y crois peu. En plus, il a Drakkarma, c'est chiant. Un Pokémon très moche, faut le dire. Machouille, ok. Bien joué. On va se heal. En plus, on a la paralysie, on peut setup. Attends, si on a la paralysie, on peut setup en vrai. Si on peut tenter de faire ça avec la paralysie. Mais il y a aussi toi le truc, si on fait que des newslogs, au bout d'un moment on s'amuse plus dans le jeu, quoi. Il va falloir qu'on attende qu'il soit paralysé. Je peux caler des attaques plus. Ok. Allez. Après il a Dracoque lui, j'avais oublié, hein. Faut pas qu'il fasse Dracoque, hein. Vendetta, ok. Peut-être taper maintenant du coup. Ouais, je vais taper maintenant. Avant qu'il me fasse Dracoque et que ça me vire du board. Nice. Ok. Vas-y, on termine Drakkarma. Ah, j'ai un F plus au cas où. Ah, je voudrais même faire reflet. Mais le problème c'est que lui, il peut me faire Dracoque, ça peut me virer du terrain. Donc je préfère le dégager maintenant, tu vois. Peut-être prochain justement Pokémon. Ah non, mais ah, putain, le prochain c'est des bégons qui a éboulement. Ok, va falloir prier pour que ça foire. En fait. Pourquoi tu me fais Dracoque ? Je le déteste. Ah, tu as choisi ta mort. Très bien. Très bien. Ah, ça écoute, c'est lui qui a choisi de mettre Libégon. Hop là. C'est bien ça. Enfin, qui a choisi de mettre un massacre. Hop, la défense qui a baissé, et boum! Normalement, c'est bon.
Let's go. Ok, le random qui est avec moi pour l'instant, c'est bien. Rodirix. Tranchodon. Et là, par contre, je vais en chier. Oh non, il brise le maul. Ah, du coup, s'il brise le maul, la lévitation. Ah ouais? Ah ouais? Comme ça, genre. Comme ça, on va plaisir. Ah ouais? Non, je fais pas ça que je voulais faire. Je voulais faire rayon signal. Je me suis. Oh là là. Oh. Oh, j'ai troll. J'ai troll. Ils vont enchaîner toute, toute ma team avec Dracoque, je crois. Hein. En vrai, un acrobatie bien placé, fait pas mal de dégâts. Oh, il a une baie. Oui! Oui! Ça, c'est bien, ça. Avec qui j'y vais? Avec Voltali? Avec Voltali, allez. Allez, écho! On fait du écho, ça passe. Tu me fais pas, tout ce que t'as fait avant. Et on y va. Ok. 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 Un écho doublé. On espère qu'il soit, qu'il se paralyse tous, qu'il soit paralysé. Ah oui, pull up. Let's go. Oh putain, le random. Finalement, des fois, faut y aller au culot. Hein. Des fois, faut y aller au culot, ça marche aussi. Hein. Ah. Donc une demi-heure de blablabli blablablou pour au final y aller au pif. Un cœur qui ne cède pas à l'amertume, voilà la preuve de la vitalité. Ouais, merci. Ouais, il fallait juste aller au pif et pas oublier que c'est pas un newslog donc je peux perdre des Pokémon quoi. Prodigieux, je suis reconnaissant d'avoir pu te rencontrer et livrer un tel combat. Grâce à toi, je me suis souvenu du véritable sens des combats Pokémon. En alliant ses forces à celles des autres, c'est impossible de surmonter toutes les difficultés. Merci. Non, Ratchet, bah non. Enfin, si c'est ce que je pense, non. Rogue Emerald, on est d'accord que c'est ce que je pense. D'accord que c'est le jeu où t'as envie de crever. Attends. Ah non, c'est le roguelike. Ah ouais, ouais. Pff. Ah ouais. Oui, je vois ce que tu. Oui, je vois ce que c'est. Non, j'ai jamais essayé. Si je me trompe pas, tu en as à ta possession 7 des matchs de Nice. Aucun Pokémon ne saurait te désobéir jusqu'au niveau 80. Je veux aussi que tu prennes ce ciel, toi. C'est juste de mes CT préférés, je nommé Dracoque. Bah, ça. Tu l'aimes bien, oui. Bah, je suis pas plus fan que du principe de roguelike sur Pokémon, je t'avoue. Le choc de l'impact de Dracoque inflige des dégâts, mais également aussi puissant qu'il renvoie le Pokémon touché dans sa Pokéball. Autrement dit, cela force le Pokémon Stubic machin. Bref, je dois maintenant te narrer la légende de la Fondation du Nice. On trouve le dehors. D'accord. Et en fait, c'est un peu dans le même principe qu'il y avait dans. Dans Slay the Spire, même dans Temtem. Temtem, il y a ce principe-là aussi. Genre, tu commences, t'as rien, t'as un Pokémon. Et on t'affrontes des dresseurs, tu vas sur une route, tu trouves un Pokémon. Ce genre de choses, non, c'est ça? Mais oh, je sais pas. Peut-être à essayer un jour, peut-être si on s'ennuie, mais. Mais j'avoue que dans le principe, sinon, je sais pas. Mets ta patte dessus, vas-y. Si tu veux bien te donner la peine de me suivre jusqu'à ma demeure. J'ai cru. Ça me fait des feintes. J'arrive, Watson. Putain, quand je sors le téléphone, elle aime pas ça. Hein. Ah, mais on teste, oui, comme dit, on verra. Et bon, pour l'instant, je vais pas te mentir que Pokémon, ça va. En fait, Pokémon, j'ai.
Je dirais que je fais un peu une surdose en ce moment, parce que je fais que ça. Donc je fais un peu une surdose en vrai. Ah si. Jishon, rentre donc. Ai-je réellement le choix? Bon, je me souviens de ce qui se passe après. Je me souviens de ce qui se passe après quand on lui a parlé. Bien, mes histoires risquent d'être longues, mais je voudrais que tu l'écoutes. Avec attention. Il y a 2 ans, 2 Pokémon dragons se sont éveillés d'un long sommeil. Reshiram, le dragon blanc, en quête de réalité, conduisant vers un monde de justice. Et Zekrom, le dragon noir, en quête idéale, conduisant vers un monde d'espoir. Ces 2 dragons, à l'origine, ne formaient qu'une seule entité, un unique Pokémon. Quelle est la cause de leur séparation, me demanderas-tu? Les dragons des origines... Les dragons des origines voulaient apporter son aide à 2 héros, 2 jumeaux, afin d'établir la fondation d'Ulysse. Hélas, les 2 frères poursuivaient des buts bien différents. La réalité et l'autre l'idéal. Chacun a été assuré de la justesse de ses vues, décidèrent de s'affronter pour s'imposer à l'autre. Ulysse fut déchiré en 2 camps, dans une lutte fratricide. C'est alors que le dragon blanc et le dragon noir firent leur apparition. Pourtant, réalité et idéal ne sont pas destinés à se dresser l'un contre l'autre. On suppute aussi qu'une 14e dragon serait née de la même époque, Kyurem. D'après les recherches du professeur Cateleria, la preuve en serait le trésor que ma famille se transmet de génération en génération, le pointo ADN. Bien sûr. Est constitué de deux mêmes matériaux rares que ceux utilisés dans la tour Dracospire, et daterait de la même époque. Je veille jalousement sur ce pointo, même si j'en ignore les propriétés exactes. Quant au 3e dragon, Kyurem, s'il existe vraiment, nous n'avons aucune idée de sa nature. Était-il déjà présent lorsque les 2 dragons se sont séparés? Est-ce qu'il ne constituerait pas une coquille vide, un exuvie animé, dirait Arty? C'est la théorie que je privilégie. Ah, je me rappelle de ça. Frush! Mais qu'est-ce que... Ce bruit? Eh oui. Eh oui! Me souviens de tout ça. Je rêve! C'est quel écran, c'est celui-là? Ouais. Aïe aïe aïe, la frégate! La frégate plasma! Et bam, la glace! Oh la vache! La glace! Mais tout est gelé! Tout est gelé! Tranchodon, Dracoqueux! Trop! What the? Merci, Tranchodon. Eh ben. Enfer, même pas une égratignure à la surface. Ah, n'est-ce pas fort, Pika? Ouais. Ah, c'est ça, c'est lui. Mais tu étais dans le palais de haine! Ah, quel framordant! Ça ne peut pas m'empêcher d'être les moules. Mais si je brûle, mais si je souffre, c'est donc que je vis. Qu'ai-je besoin d'autres preuves de mon existence? Là voilà le gage de mon être. Ah, c'est discouru. Admirez la puissance divine de la science. Le souffle séraphique de la Team Plasma qui enveloppe le monde d'une gangue adamantine. Mais inaltérable. Immarcessiblement taux de givre. Tant qu'il sera nôtre. Oui, donc nos conditions. Maître Watson, cédez-nous incondamment le poitou Aden. Ouais, je pense que c'est un. C'est pas lui qui parle, je pense. Ah, si, ça doit être lui en vrai. Oh, si, c'est lui qui dit merde. Car quelle cité mieux que Janusia, où passer les futures semelles? Peut plus dignement receler l'antique épissoire. Après les horreurs que vous avez commises il y a 2 ans, crois-tu vraiment que ta requête fasse sens? Oh, vous voyez bien, voilà bien difficile. Je suis vraiment illettré. Voilà bien difficultueux.
mais rien que je ne pourrais, je ne l'envisageais. Notre longue amitié vous autorise un sursis avant que nous nous frappions avant la mort blanche une seconde fois. Une courte recherche nous rappelle, même s'il fort inconfortable dans ce glacial hiver. Oh merde avec leurs mots. Et ils sont durs les mots. Oh les monstres, je vais leur apprendre la politesse. Jackie, j'ai besoin de son aide. Il faut débarrasser Janusia de la team plasma. Oui monsieur. Eh ben allons-y. Ah, les mots sont durs hein. Et comment on fait? Et à toi. Ce vieux schnock n'a aucune pitié même pour une délicate demoiselle. D'accord. Oula oula. Hop là, yeet, and yeet. And yeet again. And yeet again. Voilà. Oh là. Oh, la musique est incroyable par contre. Oh, y'a rien à faire ici. L'ambiance par contre c'est insane hein. Je fais le tour de la ville pour rien, ça régale. Je me suis fait battre misérablement, ton chaudron m'a juste fait voler jusqu'ici. Mais il faut que j'aille où moi? Là? Là? Lui? Les Pokémon sont des objets, c'est ce qu'on m'a appris. Au moins, on starte le cerveau, puis on peut se concentrer sur la maîtrise. Triste. Ah je me souvenais de cette histoire ouais. Que Janusia se faisait attaquer par la team plasma de la glace. Bon à taper avec coup de jus hein, classique hein. Ah ouais. Voilà. Boum. Très bien. Il y a eu un séisme dans l'ouest? Ah ouais? Ah, ça que tu disais, Mathieu, s'il y a eu un tremblement de terre? Reste là, mon chat. Avec moi. Ah ouais? Ah ouais, vraiment, ok. De Tours jusqu'à l'estuaire en passant par Nantes, ça s'est ressenti. Ah d'accord. Ah ok. Or ça. Je ne veux pas que tu ailles sur le bureau. Non. Non mon chat. J'ai une marque que je peux plus utiliser malheureusement, je suis désolé. Alors j'y allais à mon rythme. Ah merde, j'avais pas vu sa vie. Oh je suis mort. Principe à la cité ce soir. Alors ce soir c'est l'annonce de la cité. C'est l'annonce hein, c'est pas... Commence pas ce soir la cité hein. Principe d'une annonce hein. C'est important hein. Faut déjà l'annoncer la cité hein. Moi je peux le taper du coup. Ce que je peux vous dire c'est que la cité elle sera avant 2024. Faut pas en dire plus, parce que c'est pas moi qui l'organise, mais c'est avant 2024. Donc ça va. C'est pas mal. Ouais j'ai dit quoi. Ah vous doutez bien qu'une cité ça s'organise pas en deux semaines hein. Ouais du coup faut juste que je tabasse les team plasma qu'on croise quoi. Genre ça par exemple. Hors de mon chemin, vermine, avortons. D'accord. Je l'ai ressenti, j'ai pensé que mon chat s'était frotté trop fort à ma chaise. Ah donc c'était pas un gros tremblement là. Du coup y a un tremblement en France. Enfin, y en a pas souvent hein. Y en a pas souvent ouais, c'est étonnant.
Au pire, on fera un mini réact si vous voulez de l'annonce de la cité. On va voir ça. Là, c'est moi, je sais déjà ce qu'il y a. Oui, il y a eu un truc, ouais. Bah, nous, de là où on est, on a rien vu, évidemment, mais. Maïtu 5, ok, ça va. C'est le deuxième en Charente maritime en un an. Ah ouais? Tu parles, on est prêt. Ah, on est d'accord. Donc, le fait que j'ai dit que c'est avant 2024, ça va, Guillaume, c'est bon. J'ai juste dit que ça. J'ai juste dit que ce sera avant 2024, donc ça va. C'est pas trop leak. Oh, c'est un petit leak, ça va. J'aurais pu donner une fourchette des dates, mais j'ai pas fait. Le trailer est pas fini encore. Ah bon, ça va. T'as la papouin. Ah oui, tu t'annonces à 21h de toute façon, Guillaume. Ouais, d'accord. Cette espèce de train de poubelle m'a retourné. Et Chilac. Bonjour. Unis nous appartiendra. Et tu vas trembler de tous tes membres, de froid ou d'effroi. Ouais. Ouais, je demande à ma mère si ils l'ont ressenti à Char. Incroyable. Char, t'es quand même loin. Bah, je sais pas. Je reprends les zones que vous avez dit. Par rapport à Nantes. C'est pas si loin non plus. J'en sais rien, moi. Projet Charte, t'as un ressenti, ok. Bon. Les derniers que j'ai. Pas mal, j'hésitais à le faire, ouais, Guillaume. J'hésitais à le faire. C'est pas mal, en effet. Ouais, t'as bien vu que son type il changeait, celui-là, Guillaume. Hein. T'as bien vu, hein. Ouais, tu l'as fait. Ah, parfait. Parfait. Bon, faut que je regarde ce que je fais d'autre. Bon, je regarde ce qui me manque comme type. Il manquerait un type feu, moi, je pense. Et je sais pas quoi faire. Si, j'avais une idée, mais bon. Donc, moi, total, j'en ai fait 4 de plus par rapport à la dernière fois. Pour l'instant, j'en ai 4, Guillaume. Faudrait que j'en fasse encore un ou deux. J'en fasse un ou deux de plus. Ça prépare en balle. Bah oui. Mon temps libre en ce moment, je vous ai dit, mon temps libre en ce moment, c'est de farmer les Pokémon pour les Minnesota le Platinum. Genre, je suis devenu esclave de jeu, genre. Vraiment devenu esclave de jeu. Ah, Mastrad va vous plaire. Mastrad pour les légendaires va vous plaire. Hein. Mais ça, on regarde pour demain. On regarde ça pour demain. Mais Mastrad va vous plaire. Hein. Elle est bien passée. J'ai tout fait ? Il ne reste plus que cette fripouille de Lilian. Voici le passé d'ailleurs. Oh non, et la reine ! Oh non, la reine ! Non ! Me dites pas qu'il a. Oh ! Il est là. Fripouille de Lilian. Ah, no spoil car on le montrera demain ça. Mais ouais, ils ont changé la cinématique de lancement du jeu. Qui est trop stylé. Ta charte, tu l'as senti un peu? Ah bah faudrait savoir. Par mes aïeux, me voilà content de t'affronter alors que je suis transi de foi. As what? Tant que je souffre, je vis après tout. Tu exagères? Ouais. Bah jusque là le choix me surprend pas. On va le taper avec Éclatroc hein. Oh what the fuck? Ah ouais? J'ai fait autant de dégâts avec Éclatroc. Non, c'est incroyable. Bah dommage pour le protection parce que tu vas quand même prendre cher. Hein.
Je reviens du jacuzzi. Oh, excusez-nous. Par contre, nous dans un mois là. Dans un mois, on pourra faire un petit hot tub chez Pierre là. Mmh. Oh le bonheur. Ça va squatter le jacuzzi comme jamais. Très bon tub. Ah bah non, on sera beaucoup. On sera beaucoup, ça va être compliqué. Enfin la photo au pire. Enfin la photo, pourquoi pas, mais. Le but c'est pas de faire un live, c'est juste. Moi, notre but c'est d'aller voir Pierre. Hein. Voilà. J'essaie de continuer avec Tech parce que du coup. Après, on va avoir la frégate à faire. Et dans la frégate, on va récupérer l'électriseur. Et du coup, après, on voit comment on fait. Est-ce que je passe directement par Pokéx, on s'embête pas? Ou est-ce que. Je sais pas. On verra. Tout tête. C'est vrai comment je peux y prendre. M'a bouffé. Je pensais pas aller faire si peu de dégâts. Ah, c'est avec ça, hein. Ok. Allez, on charge Echo. Ouais. Hop, boum. Allez, let's go. Mur lumière. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait mur lumière, c'est vrai. Pas que des polonais depuis l'Antalaska. Bah ouais. Oh, c'était pas. La taille du manteau, par contre, il doit avoir chaud, papy. Hein. Parce qu'en fait, quand tu regardes la taille de sa tête. Quand tu regardes la taille de sa tête par rapport à la taille du manteau, tu te dis, il a chaud, papy. Hein. Y'a pas grand monde là-dedans. Ma quel admirable dresseur. Ton habilité à sublimer le talent de tes peluches compagnons est évidente. Fort bien, nous nous retirons face à ce froid intolérable. Mais médite cette image. Unis drapé dans un linceul de glace. Voilà le futur qui vous attend, une fois l'artefact en notre possession. Ok. Oh, tu as sauvé la ville. Ah, bizarre. Tu mérites mes plus vifs remerciements, tout comme ton équipe. C'est pas grand chose, mais laisse-moi au moins te soigner. Reste ici, je te prie, je reviens tout de suite. Ils veulent pas donner genre le point ODN? J'inscrire un nouveau nom de course, un nouveau record de course. Tiens, voici le point ODN. Oh bah tiens! Oh le point ODN. La giga queue de Kyorem. C'est vraiment une chance que la team Plasma n'ait pas pu mettre la main dessus. J'ignore encore ce qu'ils comptaient en faire, mais on peut supposer qu'il ne s'agissait de rien de bon. La reine était donc bien de la cacher du pointeau. C'était fort bien pensé et impossible d'y pénétrer si Watson n'y est pas. Mais s'il y est, impossible de ne pas l'affronter. Voilà pourquoi la reine a été rénovée. Quel dommage, toutes ces précautions pour rien, car le pointeau est à nous. Vous avez même manipulé votre sage pour savoir où se trouvait le pointeau. La fin justifie les moyens, n'est-ce pas? Contrairement au seigneur N, nous ne pouvons pas conquérir le cœur des humains. Nous avons recours à la force pour les faire plier. Que ces deux années furent longues. Les bâtards. Un voleur, voleur ennemi. Vous allez me rendre cela sans tarder. De gré ou de force. Donc là, faut affronter les mecs des ombres. Il y en a pas un dans le jardin là. Attends, ils sont où est-ce qu'on les récupère déjà? Ah là. C'est le poisson ADN que tu veux? Bah oui. Ah, le fameux trio des ombres, hein. Qui a pas été tant exploité que ça, c'est dommage. Ils auraient pu les faire revenir dans d'anciens jeux. C'est vrai qu'ils sont très particuliers quand même, hein. Oh, ils sont musculeux, j'avais pas vu. Oh, les muscles. Ça bosse. Ils existent. Ouais, mais ils auraient pu les ramener. Ouf. Ça y est, one shot le scalpion quand même. Bah, j'imagine dans un jeu genre ouais. On peut que espérer parce que bon voilà.
Imagine dans un jeu tu retrouves Gettys. Et t'as les mecs de l'ombre quoi, ce serait trop stylé. Ce serait trop bien. Ah c'est Mr Piggy, c'est moi. Ah mais c'est vrai qu'après ils ont une gueule hein. Ah ah. Ah le bâtard il m'a crié. Ah j'avais peur du crit justement. Eh ben il m'a crit. Il m'a crit. Ouais ils sont niveau 40, il est niveau 48 sur Absol hein. Je suis très en retard hein. Ciao. Ciao ciao. Scalpion, allez. C'est quoi déjà Scalpion, c'est ténèbres acier. Pourquoi ne pas le faire évoluer du coup? Ça c'est la vraie question, ça pourquoi ne pas le faire évoluer? Le Scalpion ça a pas beaucoup de stats par rapport à un Scalproie. Je serais forcé de l'admettre, tu es un dresseur d'exception, merci. Et vous êtes riche vous. Et vous êtes riche. Comme c'est dommage. Ce n'est pas moi qui détient le pointeau. Ça m'a juste gagné du temps et j'ai réussi. Adieu. Oh là, il arrive en glissade. Enfer. T'as pas de ta faute, Jackie, tu as littéralement brillé. C'est moi qui n'ai pas su me montrer à la hauteur, je sais pas quoi dire. Allô, c'est Brenda. Ah. Attends. Eh oh putain, Jackie. Il y a un bateau louche à Genosia et il vole, putain. Ouais, j'ai vu, je me dirige vers la ville. Et Jared, tu crois que c'est le bateau des escrocs? Aucun doute. Nous en aurons rapidement le cœur net, j'en suis presque, arrivé. Oh putain, je te fais confiance, hein. Eh hey, Jackie, si y a un souci, tu m'appelles, ok? Le vrai bro. Si j'avais le don d'ubiquité, je pourrais poursuivre ces bandits et protéger la ville. Ah bah tiens. Oh Jackie! Et Watson, vous êtes sains et saufs. Oh Jared, c'est bien toi. Tu as gagné en assurance en carrure, dis-moi. Tu es devenu le champion d'arène de Pavonnet, c'est bien cela? Merci pour tous ces compliments, mais trêve de civilité. Je crois savoir où se terre la Team Plasma. On relève une température anormalement basse tout près de... Papeloa. Je pars enquêter là-bas avec Martin. Watson, vous pouvez rester pour vous occuper de la sauvetage de Zanusia. Très bien. Je reste en agilité, je compte sur vous. Mais surtout pas d'imprudence, d'imprudence. Maki, j'aurais vraiment besoin de ton aide. Dans la partie de bras de fer que nous engageons avec la Team Plasma, nous ne serons pas trop de 3 à 13 heures de talent. Watson, souhaitez-nous bonne chance. Bonne chance, il est parti. Papeloa, ce village est situé au nord de Maglone. Jackie, écoute-moi bien. Faut que tu protèges les Pokémon de la Team Plasma. La façon dont humains et Pokémon interagissent et doit être multiple. Tu ne dois pas laisser la Team Plasma faire régner la terreur. D'accord. Oui, monsieur, je ne ferai pas régner la terreur. Pourquoi il n'a pas évolué, c'est parce qu'il peut pas encore. Ouais, bon. C'est quoi, c'est niveau combien que ça évolue, Scalproie? Donc je me suis jamais intéressé à ce Pokémon, honnêtement. C'est vraiment le genre de Pokémon que je n'aime vraiment pas. Ah, c'est niveau 52. Ah ouais, c'est giga tard. Ah ouais, la vache. Ah ouais. Ah, tu m'étonnes que c'est fort comme Pokémon, du coup. Si tu dois attendre niveau 52 pour qu'il évolue, après les stats, elles explosent. Du coup, au nord de hop, au nord de Vaglone, et du coup on peut passer par là. Ah oui, oui, bah je vois. Je vois du coup. Mais oui. Papello, hein. Tin. Des choses par là intéressantes. C'est intéressant. Je sais pas pourquoi, mais c'est intéressant. Pourquoi je passe par la flotte, justement? Je sais plus. C'est pas ce que je pense. Ah. Ok. Ok, c'est bon. Eh, hey, Jackie, t'es où là? T'es à Vagolone? Ok. Je passe par l'aquatube et on se retrouve à Papeloa, ok? Ah, c'est l'aquatube, c'est ça. C'est ça, c'est l'aquatube. L'aquatube. L'aquarium. En forme de tube.
À quoi tu veux une merveille? Tu sais comment il était construit? Eh ben, très simplement. On a d'abord assemblé sur la terre ferme et puis on a juste à insérer dans la flotte. Bah, c'est super, mec. C'est super. La musique? Oh la merde, c'est comme ça au fond. Quand je peux pas nager, j'avais même abandonné l'idée de voir ça un jour. Quelle joie, quel merveillement. Regardez, il y a un... Regarde comment il s'appelle déjà lui. Un Bargantua. La musique est bien en vrai. Aquatube. Il y a des choses à faire à l'aquatube. Ah, on peut prendre façade. Moi j'aime bien ça. Tel. Que donne. Ah non. Bah si, mais je l'ai pas du coup. Moi j'étais petit, je pensais que c'était ça le tunnel sous la Manche. Ah bah en vrai. En vrai, ça fait rêver, hein. Mais malheureusement, non, c'est pas si simple, malheureusement. Ah non, attends, non, c'est peut-être pas elle. Ça, c'est peut-être... Je crois que c'est elle. C'est pas elle qui donne. Toi. Je vais lui parler. Petite façade. Son musique de fou. Le point de toi ADN, on va le récupérer et fais-nous confiance. Mais toi, il faut d'abord que tu fasses la pâté au champion. Ah ouais, c'est maintenant? C'est maintenant que je lui casse la gueule au champion? J'arrive. C'est maintenant qu'on pète la gueule au champion là. Putain, on enchaîne vraiment deux champions aussi rapidement, ça me fume. Hein. Ça a aucun sens. Hein. Parti nager en hurlant la mer! Je voulais bien aller chercher. Ah. Je dis pas là. Une fois que t'auras récupéré ton badge, je vais s'occuper de la team Pasma. Il faut que j'aille par là du coup. Du coup, faut que j'aille par là, non? Merde. Mais j'ai plus la musique du coup. J'ai plus la giga musique. Casse les couilles. J'ai plus la musique. Tu peux pas faire des kilomètres avec du verre sans que la pression explose le verre. Oh, après... Tu sais, tout est possible, hein. Ah, bonjour. Quoi, tu es un dresseur? Remoraid, à moi. À toi. À toi, alors. Pas ta faute. Voilà. On va le blinder et tout. Bah après. Ouais, comme dit, ça existe. Il existe par exemple des chambres sous l'eau. Les hôtels qui ont des chambres sous l'eau. Ça existe ça déjà. Ouais, bon, c'est pas très grand, mais. C'est pas grave, Remoraid. Rentrez dans vos Pokéballs. Bah. J'ai cassé la gueule à terre, Remoraid. Ah, parce que je suis bas niveau. Parce que je suis trop bas niveau avec. Bah, niveau 45 les rencontres sauvages! Ah ouais! Moi je suis un peu en retard. Je crois que je suis un peu en retard au niveau. Allez, méga mode de farine, hein. Ah ouais, je suis trop bas niveau avec méga volt, hein. Faut bien. Vite, affrontez-moi s'il vous plaît. Oxydéry, il est là et c'est ciao. Boum. Voilà. Bon. Yeah, 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 yeah. J'appuie la technique de mes coups de poing face à la mer. Allez, à ton tour.
Prends le Krabarak. Prends le Krabarak qui va prendre son tarif. Su. Ah non, pas éboulement. Bordel. Bon, bah en tout cas c'est Voltali. Bah c'est Voltali qui a pris le level up, c'est bien. Voltali va prendre Fatal Foudre. Bah oui. Bah pff. Ouais, vas-y fuck. Vas-y hein. Sauf que lui il a pas eu composé, donc il a plus de chances de le foirer quoi. Ya, j'ai perdu mais je continue à donner des coups de poing. Bah c'est... Bravo champion. Bah c'est super. C'est super. Karateka c'est super. Voilà, faut que j'aille au moins parce que bon... Moi je suis de la route quoi. Il est à la mer l'autre. Et vu qu'il y a Martin qui bloque le passage vers le haut. Comment c'est par là. Ça se trouve il bloque pas du tout le passage. Je me fourvoie. Ah, hyper pote. Ah j'en peux passer là directement ouais. Je viens de me rendre compte. Ah oh. En vrai on dépasse une énergie phénoménale. Allez c'est parti. C'est pas plutôt par là que je dois aller même. Hop là c'est l'OS. Hop. Attends tu soignes. Tu soignes maintenant. Voilà merci. C'est quoi ici? La grande littorale. Intérêt. La grande littorale. Intérêt. On peut récupérer des anchoites ici si on n'a pas récupéré. On peut même récupérer des lampes rois directement. Ok. Ouais. Je devais aller par là au moins parce que bon. Franchement, je devais aller par là, moi. Je pense que l'aquatube, c'est justement le passage rapide pour pas passer par là. Hein. Je sais pas. Ceux qui se rappellent du lore, faut que je passe par là? Ou je ça sert à rien ce que je fais? Je vais tabasser ce bonhomme en attendant. Je me sens plus du tout. On va aller par là, au pire, ça me coûte rien. Hein. Je suis pas sûr que ce soit un. Ah, faut que je cherche le champion, mais est-ce que le champion n'est pas dans la grotte littorale justement? Ah, mais il a mis la pluie, merci, comme ça j'ai réussi tous mes fatales foudres! Ouais! Parce que le champion a dit la mer! Donc ça se trouve, il est dans la grotte littorale. Bah, au pire, je vais fouiller la grotte littorale et puis voilà. Ah, il est dans la ville! Ah bon? Ah! Info chat ou un véridique? Bon, c'est après la route, après j'avoue que le canal. Le canal ramène vers Vagolone, donc on ne veut pas aller à Vagolone. C'est vous le champion? Attends un peu, elle va voir l'autre quand je dois... Quoi? Comment ça? Elle va voir quand je vais lui mettre la main dessus là. Bizarre. Hein. Bon, je peux passer quand même ou pas? Ah, mais je peux passer, mais d'accord, mais je suis trop con. J'ai affronté le champion. Ah, mais c'est qu'il est difficile d'attraper, il tient à sa liberté. Mais je suis bon, je peux passer par là en fait. Ah, il est là! Mais oui! Je suis trop bête! Hop! Salut man, c'est pour le match que t'es là? Je suis Amana, le champion. Désolé, t'as dû me chercher. J'adore nager au large avec les Pokémon. C'est si bon d'aller toujours plus loin. J'attendrai à l'arène. Putain, mais t'es juste là, ça motive. T'as vu quelqu'un qui s'est donné là? T'as le con.
C'est chill. Très chill, camarade. Alors, tu es à l'aise avec sur ta feuille? Si tu parviens à me vaincre, je te dirai quelque chose d'intéressant. Les Masgars. Bon, je suis pas heal, du coup j'ai pas récupéré mes PP. Il va falloir que je ressorte après. Hop là. Recumise. Un démenta qui va prendre un gros x4 dans Fatal Foudre là. Slack. Allez, c'est ciao. Hop là. Mais Megavol va prendre Kuba, mais on est où? C'est quoi ça? C'est ridicule. Il tape sur le spécial. Apprends pas Kuba. Bonjour. Pareil que l'eau qui circule ne croupit pas. Si je continue à me battre, je ne croupirai pas non plus. Hop, croupi. Nice. Et quel travail de Megavolt. Du coup, c'est la dernière arène, celle-là. Et après, on aura toute l'histoire avec la frégate, toute l'histoire avec... toute l'histoire avec les méchants et tout. C'est qu'on va en avoir du boulot. Oula. Ça c'est d'XP ça. Ça c'est 3600 d'XP monsieur. Ça c'est bon ça. Ça c'est un level up. Ah, j'ai que 111 d'attaque spé hein. Ah, c'est énorme hein. Tu m'as écrasé, t'es un sacré... Merci. Et ça va, on me le dit souvent. Et du coup là j'arrive au champion. Non, il y a encore elle. Baston! Baston! Oula. Oh, mais qui pond. Aïe, aïe. Tchou-tchou! Hop, Waylord! Tchou-tchou! Tchou-tchou! Ah ouais, bon, c'est pas très réaliste parce que normalement, si on suit le lore de Pokémon, Waylord, il rentre pas dans le bâtiment. Waylord, il fait la taille du bâtiment et encore. Normalement là, dès qu'elle a sorti Waylord, le bâtiment a explosé là. Donc bon. Pas sûr du bail hein. J'ai découvert un moyen de réparer ses armes gratuitement sur TOTK. Bah bravo. Bravo. Bravo pour ça. Alors des fois il passe sous ou sur le tunnel. Mais il y a un problème de taille alors. Parce que alors normalement il fait la taille du bâtiment donc sacré arène quand même. Hein. Le problème c'est qu'elle fait un peu tâche cette arène je trouve. Hein. Parce que c'est après les événements de Janusia, donc t'arrives là t'es en mode ouais bon faut que je fasse l'arène, ok. Ça fait un peu tâche je trouve malheureusement pour l'arène. De Camille. Je suis un peu triste. C'est un peu triste cette arène quand même. Hein. Tu sais ils l'ont mis là en mode ah merde on en a mis que 7 des arènes, vas-y on va mettre celle-là. Je sais pas. Ah. T
Ah si, j'ai compris comment faire, c'est bon. Et bah ça break, hein. Ça touche, ça level up, ça ressort à Bargantua, ça touche, ça ressort à Jumaril, ça touche, et c'est ciao. Enfin, c'est une arène de type O, forcément je vais la démonter. Hein. Comme dirait un grand artiste, je vais la démonter comme une tente de camping. Ce sera tellement chaud, on va passer au zapping. Hop. Et d'abord. C'est vrai qu'il n'y a pas de juste de milieu en général. Hein. Ok. Staros, dangereux Staros. Très dangereux Staros. Mais bon, j'ai bonne chose quand même. Très bien. La Megavol se régale de cette arène. Hein. Il y a même pas 5 minutes, c'était niveau 43. Et voilà, on y est. Ah par contre du coup je vais peut-être devoir utiliser une petite huile. J'en ai des huiles au moins. Oh, j'ai qu'un seul élixir. Attends, PP plus. Regarde, hop. Voilà. Et là normalement j'ai ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. 9 sur 14. Large. Large. Allez, c'est parti. Il faut espérer par contre que Megavolt fasse comme il a fait dans toute la raid, c'est-à-dire de ne pas rater une seule fois Fatal Foudre. Sachant que Fatal Foudre a 9% de chance de rater. Donc si il n'y a aucun fail, normalement c'est la reine et swipe. Et sweeped. Ah bah enfin, t'es là. Ah, tu m'as l'air bien balèze comme j'aime. T'as tout bien préparé. Bah ouais. Hein. Allez, dernière arène. Dernière arène avant de se focus sur l'histoire pendant un bon bout de temps. Pour ensuite partir sur l'arène. Enfin sur la ligue. Méga Pagos pour commencer. Ah ouais. Ah bah du coup mon Fatal Foot sera pas efficace. Tour 1. Ça régale. On va quand même le faire. Ah si ça régale. Non c'est vrai que c'est efficace sur l'eau et neutre sur la roche. Chaque fois j'oublie. Forcément ça reste assez efficace. Entière, ah. Ah. J'ai cru que j'allais perdre. Montrez-moi ce que vous avez dans votre. Ok. Oh, le fermeté de ces morts. On va faire ils ont signal pour assurer le kill. Voilà. Ok, Wailord direct, ça marche. Est-ce que je prends le temps de me heal ou est-ce que... Ouais, vas-y, on va prendre le temps de me heal. Alors, vous savez quoi, j'aime les clutches. Moi, ce que j'aime, c'est les clutches avant tout. Ah, c'était tellement sûr. Ah, j'adore le karma, j'adore. Bah, mettez Volga. Hein. C'était sûr. On fait le clutch, on fait pas le clutch. Rate son attaque. Bon. Raté bouffon, alors. On a chié. On a chié. Petit coup critique. Vraiment, très petit coup critique.
C'est que Matafo touche même s'il fait rebond. Oui, mais si j'ai raté une fois, je le rate deux fois, Kara. C'est que tu sais très bien comment ça marche. Tu sais très bien comment ça marche. Ça pue plus. Allez, on retente le clutch. Oh, c'est super serré, c'est comme ça que je préfère. Tu préfères quand c'est serré? C'est bon, le clutch passe. Oh shit! C'est vrai que c'est un putain. C'est vrai que regarde après ça tank, hein. Aïe 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 aïe. Ah non mais c'est vrai que c'est vrai que moyen de sa tank, y'a pas... Voilà. C'est moyen d'après tout, hein. Vive Zotalis, parti. Ça tank ce machin, hein. Fatal foudre. Oh, ça touche, let's go. T'es gagné. Et avec ceci, les arènes sont finies. Let's go. Putain, c'est époustouflant, alors ça, c'est bien différent avec ton équipe Pokémon. Oh man, t'es époustouflant. Putain, non seulement t'as l'air balèze, mais en plus tu l'es. T'encaisses super bien. Je suis super surpris. Non, en parlant de surprise, j'ai autre chose à t'offrir. Ça va pas si j'oublie l'essentiel. La petite badge goutte d'eau. Et avec ça, on a tous les badges. Nice. Et c'est le badge vague. Avec le c'est un nouveau badge d'Unis. Il est beau, pas vrai? T'aurais coûté beaucoup d'efforts et de sueur, mais t'as les 8 badges maintenant. Tu glisseras avec n'importe quel Pokémon. Je suis tellement ému que j'ai failli oublier de te donner ça. Ébullition. L'abus. L'abus d'ébullition, bien sûr. Mais c'était bien sûr ébullition. Ça peut brûler l'adversaire. On peut l'utiliser même quand on est gelé tout froid. Allez, je mets les voiles, seulement tu pourrais me suivre. Excuse-nous, frérot. Hein. Avec la petite truc qui ressemble. Incroyable. Ouais. Ah, bah c'était bien. Bon, parfait. Allez, on a la frégate à faire. On a le chemin vers les ligues à faire. Et il reste une heure. On a encore un peu de travail, quoi. Ouais. Alors, t'as tous les matchs, tu déménages? Putain, la ligue, elle a capable de se tenir, hein. Mais d'abord, il faut mettre ça avec la team Plasma. Ah, les petits. Pas de la team Plasma, c'est qui ces types? La team Plasma, vous les connaissez pas? C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait à ma fragile. Oja, ils veulent tous les Pokémon. En plus, ils utilisent le pouvoir des Pokémon pour jouer Unis et en prendre le contrôle. T'as jamais entendu parler de ces monstres? Hop, bah, pas du tout. Alors, ouais. Et quand on vit au bord de l'eau, on n'a pas le temps de s'occuper de ces choses-là. Hein. Ce sont littéralement des gouttes d'eau dans l'océan. Vous pensez que la Team Plasma, ce sont des sales types? Non. Ce sont pas des sales types et pourtant vous les combattez. Bah, faut vous éclaircir les idées et trouver les bons mots pour raconter votre histoire. Comme ça, vous comprendrez mieux vous-même ce que vous voulez ou ce que vous voulez, voulez faire. Oh, c'est pas tout ça, mais... T'es un esprit ouvert, hein, c'est juste... C'est juste foutiste. Je laisserai pas décourager les types de la team Plasma sont nos ennemis. Faut pas laisser tomber, mais d'abord il faut les retrouver. On a qu'à se séparer et toi tu prends la route, va te donner, ok? Je vais aller me heal déjà. Et oui. On a un programme de lundi prochain. C'est pour ça, là, on va essayer d'avancer, hein. On va essayer d'avancer un petit peu, hein. Je vais me permettre un truc. Comme ça, on va galérer un peu moins. Un petit truc. C'est déjà que je vais récupérer Magnézone à la place de Massacre. Parce que Massacre, bon. Palmarès de Massacre a fait machouille dans l'arène de type dragon. Mais bon. Faut juste que je remette ça du coup. Faut que je remette ça du coup. Voilà. Ça déjà c'est une première chose. T'as le Covid? Ah bah ça drôlait des patins à des gens dans la rue, hein. C'est dangereux, hein. Fais attention, hein.
On va monter tout le monde niveau 50. Voilà. Ah, Electef va prendre tonnerre. Ah, quelle belle nouvelle. 95 de dégâts, c'était, c'est vrai. Ça a été baissé depuis, mais... C'est tellement fort. Ça a été baissé en 6G, je crois, en plus, tonnerre. Grincement, non. Tadadam, pas de babouin. Pas de babouin, pas de babouin. Pas de babouin, pas de babouin. Hâte, mes frères, tu es Molga au bout d'un moment. Voilà. Ah, et Molga va prendre coup de jus. Ah ouais. Après, c'est vrai qu'il est physique et Molga, mais bon, coup de jus, ça reste largement meilleur, quoi. Vas-y, hein. Tu as pris le bac de français ? Ah oui, bah, c'est qu'il y en a dans ta salle qui avait le Covid. Voilà. Je peux dire merci au mec qui avait le Covid dans ta salle, puisque du coup, c'est lui qui te l'a refilé. Let's go ! Allez, c'est parti. Route 22. J'arrive. Attends, il y avait une Pokéball là qui m'intéressait. Enfin, qui m'intriguait surtout. Enfin, qu'on ait été rework, Kera, un nerf. C'est pas un... quand tu juste tu baisses les dégâts, c'est pas un rework pour moi, c'est un nerf. Mais bon. Ils ont nerfé le type électrique alors que bon, de base, ils s'en foutent un peu. Bon, bref. Moi, j'appelle ça de la violence gratuite. On s'en fout de tous les moves, moi je te parle de tonnerre. M'en fous des autres moves. Là, par là. Hop. Hop. Et route 22. Alors route 22. Est-ce que route 22, il y a un truc à retenir ou pas? Alors on peut retenir qu'on peut avoir Celeroc et Solaroc. Mais c'est tout. Donc rien qui m'intéresse moi du coup. Alors nous on veut partir. Donc on va aller par là, into... Par là, into par là... Into, il y a des... Pokémon se tient devant toi, se nomme Terrakium. Ah oui, c'est lui. Ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Et donc Terrakium est l'un des trois Pokémon qui a sauvé ses semblables des guerres humaines. Ma conjecture est la suivante. T'as dû percevoir le danger que représente Team Plasma, et il est parti à la recherche d'un dresseur capable de les contrer. Il a décidé d'apparaître à tes yeux, fascinant. Tu m'as demandé, comptes-tu te battre contre la Team Plasma? Oui. Tu confirmes mes hypothèses? Tu possèdes la force de protéger tes Pokémon. Tu n'es pas l'un de ces dresseurs comptant uniquement sur son équipe pour se protéger. Donc c'est la force du dresseur qui lui permet de déployer à loisir tout le potentiel de ses Pokémon. Parfait, tu mérites récompense pour ton aide. Ceci est le prototype d'un dispositif destiné à provoquer des réactions de la part des Pokémon. Il n'est pas utilisable pendant les combats, mais je suis certain qu'il se servira à un moment ou à un autre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon voyage à ton équipe et toi. Et donc j'y pense. Dans la grotte littorale sur le canal 21, j'ai aperçu quelque chose qui rappelait la route 4. J'ai vu un truc. Bon bah... C'est pas genre un truc, tu vas dans les herbes et ça force un combat? Ah bah comme ça. Ça doit être ça. Yum!
que j'ai en shiny Terrakium d'ailleurs. Fun fact. Je l'avais farmé en shiny. Et on dirait Bozo le clown en shiny. Alors est-ce que lui aura un peu de sens? Non. Il est comme ses amis. Un manque cruel de sens. Bref. Allons-y. Ah. Ok. Oui, mon truc. C'est pour ça que moi, ça me... j'aime, enfin, j'aime beaucoup le truc. Que, bah, je suis littéralement la tranche de streamer touchée. Et qui pourrait en bénéficier. Ok. Allez. Ciao. Après, là, il me manque un petit peu. Mais bon. Non, mais je serai sûrement un peu chiant entre juillet ou septembre. Hein. Tout simplement. Hein. Vu que c'est sur 3 mois qu'il faut avoir 350 subs payés et ça compte pas les primes ni les subgifts. Donc je serais un peu chiant. Je serais un peu chiant avec ça. Mais bon, c'est pour la bonne cause on va dire. C'est pour ma bonne cause, c'est vrai. Faut être honnête que c'est plus pour ma bonne cause que pour la bonne cause mais... Ah bah Pika écoute, j'ai mis sa part à tout le monde hein. Tout le monde a pris sa part hein. Oh, super bon moment, très content d'être descendu là. Ah, mais je suis obligé de faire le combat du coup. C'est peut-être pas rentable du coup. Ouais. D'accord, Denis. Bon app, salut. Ça compte pas les subgifts, ça compte pas les primes non plus, je crois, désormais. Donc c'est quand même assez précis ouais comme demande. Donc je verrai mais je crois qu'on peut récupérer l'info des... Il me semble que je peux récupérer l'info des subs payés. Donc on verra comment je vais les prendre. Ça, juillet ou septembre. C'est les trois premiers mois avant octobre du coup. Putain, l'animation de Stylix par contre, vache. What the fuck. Non mais tiens, ça change rien déjà. Bah en fait quand j'ai regardé hier vite fait. Putain mais il est type sol. Quand j'ai regardé hier, j'étais à 342. Donc il m'en manque 8 quoi. Il m'en manque 8. Donc c'est pour ça, il manque pas tant que ça finalement. Attends, je veux... C'est d'où que je voyais ces infos déjà, j'ai oublié. Oui là. Là en vrai si on prend la période de un mois pile, parce que j'ai regardé le mois dernier, j'avais pas regardé ce mois-ci. Si on prend ce mois pile je l'ai. Si on prend le 1 mois depuis aujourd'hui au 16 mai, je les ai. J'en ai 300... Ouah attendez. J'en ai 359 pour l'instant. Donc pour l'instant c'est bon. Il faudrait que ça tienne. Faudrait que ça tienne. Après ils ont bien précisé que c'était des subs payés continus. Donc je pense qu'ils vont sûrement compter 350 mais sur les 3 mois quoi. Bah genre, ça va être spécial. C'est un peu complexe quoi. Une fois que c'est rempli les conditions, tu le gardes pendant un an. C'est un contrat d'un an en gros. Qui est renouvelable tous les ans quoi. En gros. Donc
Bon, c'est pour ça, c'est content de prendre un moment, par contre, est-ce que... Non, je crois pas. Bah, en fait, faut, on va attendre d'avoir plus d'infos, je pense. Hein. C'est la fin. Nice. Ça survit. C'est Crow Eyes. Au deuxième mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, bon, on verra bien. Hein. On verra bien, on verra bien. On verra bien. J'espère, quoi. Ah, ça va m'aider un peu, Wolfog, j'avoue que... Parce que bon, il y a les impôts qui sont passés, il y a un déménagement qui va arriver. J'avoue que, bon... Ça, plus ça, plus ça, plus ça, bah... Ça me coûtait cher, toutes ces conneries, hein. Et malheureusement, je suis pas riche comme Crésus, hein, j'aimerais bien, mais... On n'y est pas, quoi. Celui-là, ça fait une image dans ses contrats. Non, en gros, ils vont rajouter un truc qui s'appelle le Partenariat Plus, qui est en gros une réinstaure le principe du 70-30 dans les contrats. C'est-à-dire, le streamer touche 70% des subs. En gros. Et en gros, la condition pour avoir accès à ça, ce sera d'avoir... En fait, le contrat pourra commencer à partir du 1er octobre 2023. Et en gros, il faut que les 3 mois d'avant, t'aies 350 subs payés. Donc vraiment des gens qui payent de leur poche, pas des gens qui utilisent le Prime ou pas des subgifts. Non, toujours en recherche, Wolfox, c'est l'enfer. Hein. Y'a rien à Montpellier. Y'a rien à Montpellier qui est décent ou qui n'est pas du foutage de gueule. C'est-à-dire pas des trucs qui font 30 mètres carrés qui coûtent 800 balles par mois, quoi. Bon, si c'est pour aller à Montpellier et payer un loyer parisien, bon, je la fais, bon. T'as combien tu es, toi? Bah justement, je viens de le dire, Sonic. Je viens de le dire, je suis à 300... Là, actuellement, si on prend le mois dernier, je suis à 359. Mais il faut que je maintienne ça les 3 prochains mois, du coup. Enfin, faut que je maintienne ça en juillet, août, septembre. Donc j'ai quand même du maintien à faire. Bon, par contre, les combats de merde, là-haut! J'ai une frégate à rattraper, moi, hein! Rien à foutre de vos combats, hein! Voilà, hop, dégage! Hop! Ça va, les dresseurs nuls, là! Allez, on s'en va! Pourquoi le blazard de guild? Ah ouais, genre... Ah, parce que pour vous, il a un manoir! Pour vous, il a un manoir et moi, je suis un gueux, c'est ça? Eh ben... Savage! Un peu savage. Ah, la grotte cyclopéenne. Je me demande quand nous y vont arriver. Ça va, ce qui va suivre est très important. Bien sûr, le groupe est parti sur Canal 21, a dû passer sur la planche, mais notre rôle est aussi essentiel. Oh les bâtards, faut que j'aille sur Canal 21. Ah, je fais tout ça pour rien. Je fais tout ça pour rien. Oh, j'avais oublié que... Mais bon, bah, tout ce qui est déménagement, ce sera en VH, je verrai plus précisément cet été. Hein. Et du coup, le Canal 21, c'est ça? C'est quoi le Canal 21? Ah, bah, c'est là, oui. Ah, mais faut aller. Mais du coup, en fait, ouais, j'avais fait le bon chemin dès le début, en fait. Quel enfer. Après, Guillaume, ils ont. Après, en vrai, Guillaume, ils ont un bon appart. Hein. Franchement. Leur appart, c'est cool. Hein. Après, pour deux, c'est un peu petit, mais ils ont un bon appart. Hein. Au pire, ils trouvent un truc avant moi et moi je reprends leur appart et puis on est bien. Et puis let's go. Mais bon, si c'était aussi simple. Bon ça va, j'ai fait tous les dresseurs ici. Genre je peux pas, c'est là en vrai. Hein. Pourquoi je me prive, hein?
Hop. Bon, j'ai soigné Pokémon, du coup c'est bon. Bisous Philos. C'est le Famaria. Avec la mobilité électrique, c'est lesquels des types que tu crains durant cette aventure? Type sol. Parce que c'est le seul truc qui est efficace contre le type électrique. Après, le type roche, c'est un peu chiant. Et après, ça dépend des doubles types de mes Pokémon, tu vois. Après, le type dragon, bah, le problème, c'est que le dragon, je suis pas efficace contre. Donc, il faut que j'arrive à trouver des attaques qui sont. Au moins neutres, pas forcément efficaces. Mais c'est dur en vrai. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Hop là. Ah je sais bien vu mais... En plus comme j'ai expliqué hier, il y a un proprio qui m'a appelé hier pour me dire qu'il a déjà un mec qui veut faire une visite. Si le mec est chaud pour le prendre, j'avoue que ça va mettre la pression même si bon. Encore une fois, légalement, le mec est obligé de me laisser la fin du bail. Mais bon, ça met une pression quand même quoi. Halte là ! Médonie et moi attendons fermement un bon dresseur dans ton genre. Si tu continues, il va falloir nous passer sur le corps, Médonie et moi, nous sommes fermes. Tu te sens sain dessus d'attaque face à une telle fermeté ? Bah oui, pas vraiment le choix. Hein. Bon bah c'est jusqu'au 4 octobre. Alors en octobre il s'en passe des choses hein. Il va s'en passer des choses en octobre hein. Roche sol électrique qui sont vraiment ta hantise. Bah non électrique non pas vraiment. Électrique ça va. Ah, évidemment ils ont fermeté ces nodulites. Évidemment. Mmh. Bon, du coup c'est chiant parce que niveau argument c'est un peu chiant parce que du coup si en octobre j'arrive à avoir du coup le fameux nouveau contrat bah du coup ça aurait été intéressant comme argument pour les locations mais du coup je l'ai pas là. C'est un peu dommage. Mais c'est comme ça. Bon, je crois que si on arrive à terminer la frégate déjà ce sera cool. Parce que bon, quand je vois l'heure qu'il est et quand je vois qu'on tape des combats qui servent à rien comme celui-là. Je pense que si on arrive à faire la frégate aujourd'hui c'est bien. Mais ça va être compliqué. Bon allez. Hop, allez on y va. C'est le même combat en boucle, c'est les mêmes Pokémon, c'est les mêmes talents, au bout d'un moment faut aller se faire foutre. Hein. Et bah tué ! Il m'a tué, oh! Ça marche, Peoples. On a encore? Non, c'est bon. Pff, allez. Supportable, ce mec. Ah, t'as tout ce qu'il faut! Quel talent, quelle force! Nous avons ramolli avant la fin! Yodit et moi allons devoir beaucoup travailler pour devenir encore plus fermes. Ça va être une bonne chance! Casse-toi, surtout, hein. C'est par là que je devais aller? Pas sûr. Non mais je veux utiliser un repousse. Pas sûr que c'est par là que je devais aller hein. Oxintech. Point électrique pour les types roche et sol, ça aurait pas un peu d'effet? Bah, le type électrique ne fait rien contre le type sol. Ça m'a rien. Le type électrique n'a aucun effet sur le type sol. Et la roche, bah, elle est neutre. Oxintag. Ça va rien ce que j'ai fait. Ah si, ça sert. Je sais plus où je dois aller, du coup je me perds là en fait depuis tout à l'heure. C'est l'enfer. Ah, je pense qu'en bas c'était bien. Je crois qu'à un moment faudra que je tourne et quand je retournerai il y aura la frégate je crois. Ça doit être ça.
toute façon, on va faire ça, hein, j'ai pas le choix. Hein. Mais je crois bien que c'est ça. Il me semble que c'est un moment où on est dans l'eau, faut qu'on tourne. Après, Flammaria, c'est tout l'intérêt d'avoir des Pokémon de double type. Flammaria. Monotype, ça veut pas dire que tu utilises que des Pokémon électriques et que des attaques électriques. Ça veut dire que tu utilises que des Pokémon qui ont une de leurs deux compétences, un de leurs deux types qui est électrique. C'est ça que ça veut dire. Et après, tu sculptes ton équipe par rapport à ça, justement. Si tu veux choper un Pokémon, bah, par exemple, le Megavolt, il est électrique insecte. Bah, du coup, c'est intéressant d'avoir un Pokémon électrique insecte. Ça, du coup, j'ai une attaque insecte. Ça, c'est comme ça que ça marche. Mais où je dois aller, bordel? Non, je pense pas que c'était par là. Le problème, c'est que je sais... Attends. Oh, l'enfer. Oh, l'enfer. Mais non, je suis à Vagolone, là. Mais oh... Oh non, fallait pas aller par là. Donc c'était bien dans le truc littoral, mais je suis pas là du bon côté. Ah ouais. Ah ouais. Allez, on va y arriver. Allez, j'y crois. Bon, j'y crois. Non, mais j'ai pas envie d'être en retard. Oh! Vous me commencez à me casser les couilles, hein! Non, mais faut vous le dire, vous me cassez les couilles! Allez, même one shot. C'est faux, je l'ai one shot avant. Un galégon, allez, c'est parti. Hop, ah, abri, ok. Allez, je mens, d'accord, c'est super. Hop, voilà, c'est super. Putain, je vais jamais y arriver. Mais je m'en fous de ta Bekika! Allez, on va y arriver. Au bout d'un moment, on va le trouver ce truc. Ouf. Attends, faut que j'aille où moi? Vraiment, faut que je descende là. Mais pas. Ah, là, c'est là, ok, j'ai vu, c'est bon. Bon, je passe là, boum, là, et je descends. Ok, c'est bon, on a trouvé. Tout va bien, aucune panique. Juste envie d'avancer dans le jeu. Super. Super. C'est super. Utiliser... Ah! Voilà, c'est ça. Cra! Il est pas content. Il est tout colère. Il est tout colère, en effet. Il est tout colère, il m'en a colère une. Voilà, et c'est par là. Voilà, c'est ça. Nous sommes d'accord. La frégate est juste là. Eh ben. Et tu l'as retrouvé, on peut compter sur toi. Mais par où on rentre? On est pas aux pièces. L'autre passerelle s'abaisse. Ah, c'est lui, d'accord. C'est mieux comme ça, non? Alors, tu comptes te battre contre ces escrocs? Oh, on se calme, j'ai rien contre la Team Plasma, moi. Je sais pas s'ils sont impliqués dans les trucs louches. Tout le monde dit qu'ils font des choses horribles, mais ça me fait rien. C'est pas mon genre de décider qui sont les méchants et les gentils. L'inverse de Twitter, du coup. Mais si vous êtes dans une situation délicate, bien sûr que j'adore donner un coup de main. Merci. Vous avez un truc auquel vous vous accrochez, c'est bien. Toi, tu cherches des Pokémon perdus, et toi, t'essayes d'empêcher une liste d'être gelée. Les raisons, on s'en fiche, mais pourquoi vous faites ça? Parce que la force des convictions, c'est elle qui permet de faire des choses qu'on pense impossibles. Et quand on veut, on peut. Les convictions viennent secours des Pokémon et de soi-même. Ah, ça fait trop de bruit, ça a raboté les gens. Salut, bon courage. Très bizarre quand même. Hein. C'est quoi ce plat, sale lâcheur?
Ou alors c'est sa manière d'être sympa. Bon, on y va. Permets que je me mette un... petite hyper potion là. Et on y va. Petite hyper potion avant d'y aller et puis ça part quoi. Du coup dans la frégate on va pouvoir récupérer l'électrolyseur. Donc on va pouvoir se faire les câbles. Voilà, par la puissance de la technologie et de l'émulateur, on va évidemment se permettre d'avoir un élécable, parce qu'il faut pas déconner. T'es, c'est bon, je gère, tu peux continuer. Et vous, ce sont les copains de notre ahurie en slip de bain qui a déployé la passerelle. Le crabarac n'a pas pu les retenir. Vengeance, passe-moi en avant. Oh. Pardon. Prenez ma voix. Prenez ma voix, perdez ma voix. Ah, bon point. J'ai un peu plus haut niveau que au début, du coup, bizarrement. Oh non! Oh les 9%! Oh les 9% qu'on a raté! Merci Fedris pour les 2 ans de sub! Merci beaucoup Fedris! Merci pour les 2 ans de soutien! Merci beaucoup monsieur. Merci bien. Et merci pour... Dis merci. Ah t'as dit merci, c'est bon. Merci beaucoup. Tout est où. Ah il va m'arriver clairement. Ah, je tape avec un petit peu d'autres Pokémon. D'ailleurs la ligue c'est niveau combien hein? Je pense que j'ai encore le temps mais c'est juste pour ma, c'est juste pour m'informer. La ligue Pokémon 58. C'est 58, 59. 59. Donc on a encore le temps mais c'est pas si loin non plus. Écoute, il a pas fermé. Bon, on va un peu fouiller sur Raphio. Si je me rappelle bien, à Porionov, le foyer de Lilia est sorti de là-bas. Faut que j'aille à la cuisine, moi. Ça, c'est le thème de la musique, mais ralenti, du coup. Un intrus ! Ah, je peux pas encore fouiller, du coup. Ah ! Vengeance ! Faire ça. Ta 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 ta. Bien sûr. Ta ta. Tiens, c'est ça, on y va. Allez. Ta ta. Mais d'où est-ce que elle sort cette demi-portion? Je vous avertis, petit, j'ai grave la haine. La punchline, toutes les 2 secondes, j'ai grave la haine. Allez, donnez-moi tout. Peut-être faut que j'en pexe un autre. Hein. Le mégavolt est pas mal là. Hein. Et boum! Non, les méga évolutions c'est arrivé avec X et Y justement, enfin rien. C'est juste après. C'est le jeu que je fais quand j'aurai terminé ce jeu. Oh, oh la vache, il y a un HP le bug! Oh, c'est pas moi qui le prends, ça va. Tout est. Ouais, allez, je l'ai tout à fait. Hop, oui, le insecte qui prend. Ah non. Il est insecte, Drascan. Non, j'ai ce truc de base.
Ah non, les ténèbres poison. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je pensais qu'il était ténèbres insectes. J'arrive pas à retenir ce truc-là, genre vraiment. J'avais refait l'histoire il y a pas longtemps et je l'ai fini à 100%. Ah bah. Tu fais bien. C'est vrai que je fais rien entre X et Y d'ailleurs moi. Attends. Pokémon X, Y, X. Est-ce qu'il y a des Pokémon électriques spécifiques à X ou Y? Non. Donc on pourra. Ah si! Il y a Dynavolt et Lexprint sur Y. Ah! Si. Bon, enfin, sûrement Y du coup. Ah, s'il faut avertir les autres! Ça s'annonce mal, on va être envahi à ce rythme! Et ils avaient pas le sacré pas avec eux! Un barrage! Ah là, il faut le mot de passe! Ça veut dire qu'on va devoir retrouver leur fichu mot de passe pour se débarrasser de la barrière! Si elle se sépare, on le trouve ce satané code! Allez! On va taper avec Voltali, vas-y. Non, y'a pas Mega Spring sur Y. De toute façon, le méga, je prendrais Farampe, moi. Ah, let's go. La cuisine. T'es encore? Ne vous emportez pas. Je suis des vôtres. J'ai un déguisement. Je sers que c'est H-Carmine. Je suis en mission sous-marin sur ce bateau. Quelle galère. Ça va pas être facile. Bantir et Bouchardé, c'est un sacré bang. Tu sais quelque chose sur le sacripone de Pauvelet à Pavonneille? Ah non, désolé. Ah, désolé, on est venu. Vas-y, attendre. On va pas faire confiance à des types qui ont voulu conquérir le monde. J'étais sincère hein, quand je disais que je voulais sauver les Pokémon, tu sais. Où est la cuisine? Personne n'arrêtera la Team Plasma, tu vas payer pour ton imprudence. Allez. Ah, du coup, vu qu'il n'y a pas de décor, du coup, c'est la musique va plus vite. Enfin, l'émulateur lag moins. Marrant ça. Enfin, Mega Lexprint sur Y. Ah ouais. On verra. Hein. On verra hein, s'il n'y a pas vraiment d'exclus particulière. Mot de passe, ah bah tu peux le mettre où. Tu peux bien mettre ce que tu veux, tiens. Mon chiffre préféré, c'est le 0, à bon entendeur. C'est pas ici qu'on peut dormir? Non. La cuisine! Where is the cuisine? La Team Plasma va conquérir Eonis, et c'est là qu'on a besoin de toi. Tu vas nous filer tes Pokémon. Bah non. Hop là. Ça doit être l'un des mégas qui a été rajouté sur Rosa. Ah ok. Je savais même pas qu'il y avait des mégas qui ont été rajoutés sur Rosa, je savais même pas. Là vous m'apprenez quelque chose. J'étais pas au courant. Je vais starter, bon. Ah écoute Fabarias, les méga évolutions c'est fini de toute façon, donc faut pas vous embêter pas. Premier chiffre de mot de passe c'est un 9. Ah. Alerte, intrus à bord, tout le monde à son poste. Pull up. Ah, l'électrolyseur. Let's go ça. Oh le combat double. Ah, c'est toi le fameux intrus qui a été annoncé. Si tu gagnes contre moi, je te file un indice au mot de passe.
Ah non, pas tout. D'après Wikipédia, la Lex Springit est disponible sur XY, mais que sur X et Lex Springit. Ah, d'accord. Quand la pierre c'est sur X, mais le Pokémon c'est sur Y. Marrant ça. Ah, bah c'était le système de chacal de l'époque, hein. Le système de chacalito de l'époque, hein. En soi, ça m'étonne pas trop, hein. Écoute, tant que la Farampite. Je sais pas. Farampinite. Tu vois. Farampite. Les méga gemmes, c'est ça, c'est la Farampite. La Farampite. Donc ça va, ok, Farampite c'est Ok, Farampite ça va, c'est récupérable sur les deux jeux, c'est bon. Ça va bien. La Farampite, oui. Farampite, je préfère, c'est mieux. Plus drôle. Ah, oh, ça fait bizarre de passer sur Pokémon 3D après tout ça. Ok, let's go. Mon indice, le voilà. Le mot de passe, c'est un nombre. Comment, tu trouves pas? Ah, bah t'aider encore un petit peu, le deuxième chiffre, c'est un 9. Donc 9-9. Pour ça, on est sur un 9-9. Attends. Je crois qu'il y a un endroit dans le bateau où on peut se heal. Donc ça se trouve, ça va être là. Hein. Bah t'es là bien balèze comme j'aime, mais allez, bats-toi. D'accord. Et monsieur, on fait ça. Oui, mais de toute façon, les deux sont finis, Flamaria. Il n'y a plus de méga évolution, il n'y a plus de Dynamax. Comme ça, au moins, tout le monde a son compte comme ça. Ah. Escroco, très chiant. Très chiant. Justement, j'ai essayé les lits. J'ai essayé les lits, ça marchait pas. Bon, on va voir, hein. C'est bon. Oh, ça va prendre son tarif ici. Tonnerre, bien sûr. 95 de dégâts, évidemment qu'on fait tonnerre. Critique en plus, mazé. Le mot de passe, c'est un chiffre à 4 chiffres qui se termine par un 9. 9909. Du coup, on a tout. Attendez, je fais une sauvegarde là. Je fais une petite sauvegarde pour vérifier un truc là. Juste pour vérifier un truc, hein. Vraiment, Attendez, hop. Juste pour vérifier un truc. Ah, hein. On la donne à Electek. Ouais. Ok. Voilà. Ah. Alors. Je crois que le jeu a plante. Ah non, c'est bon. Ok, tout va bien. Ok, tout va bien. Hop. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ah mais non, ah oui, mais je suis con dans la série. Hop. On peut Ah non, on peut pas. Non, je voulais regarder si on pouvait, genre par exemple regarder si on pouvait par exemple l'aider à évoluer, mais non, on peut pas. Non, bah on va y aller, on va faire Electivire, hein. Voilà, hein. Hop. Ah, Ability Motor Drive. Ah, ça change. Ah bah voilà, moi je laisse comme ça.
Juste on fait évoluer, c'est tout. Voilà, c'est tout. Voilà, voilà, on fait ça. Vous avez la preuve, je n'ai rien fait, j'ai juste changé, voilà. C'est pour faire un échange dans le cloud, exactement. Parce que bon, ce serait dommage de ne pas pouvoir utiliser les câbles. Au bout d'un moment, les câbles, c'est quand même très stylé comme Pokémon. Attendez, je vais me retirer par contre le... Pour qu'on soit vraiment dans le thème, je vais me retirer le... L'électriseur du coup. Zéro. Voilà. Un exportateur. Touchditeur. Ah non, c'est jamais de la triche. On skip une étape que je ne peux pas faire sur l'émulateur, c'est différent. Hop. Bah on est sur un émulateur, on se permet de faire des trucs comme ça, ou normalement sinon on se fait chier au bout d'un moment. Mais bon, c'est pas comme si j'étais bloqué dans le jeu et que c'était les câbles qui allaient tout changer, hein, à pas se mentir, hein, au bout d'un moment. Hop. Oh, vous avez... Ah oui. Et donc là, si on vérifie... Hé. Oh, les stats. C'est vrai que du coup, il passe physique quand il évolue. Après, est-ce qu'il apprend des attaques quand il évolue normalement? Ça se trouve, il apprend des attaques quand il évolue, merde. J'ai pas regardé ça. En plus, il a motorisé, genre, c'est abusé. Bah écoutez, s'il apprend des attaques, je les aurai pas. Hein. Faut faire des échanges, faut des amis après tout. Mais non, mais je suis sur un émulateur, frère Maria. Je suis sur un émulateur, je suis sur le PC. Forcément, je peux pas faire les échanges. Active ailleurs. Oh, le sprite shiny est magnifique par contre sur la 5G. Ah, ok. Hop, alors ça du coup je change. Et on met Electivire. Voilà. Let's go ça. Ah. Ta 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 ta. Bah du coup j'ai le code hein. Bah c'est bon. C'est un code à 4 et c'est 9909. Et j'ai récupéré mon... Enfin le truc que je voulais. Ah il faut la carte magnétique, mince. Zut. Je pensais qu'il fallait le code mot de passe. C'est pas le mec derrière les escaliers justement. Comme je suis une nouvelle recrue dans la team plasma, j'ai pas encore reçu Pokémon, par contre je détiens une information cruciale. Il faut la carte plasma avant de saisir le mot de passe. Et on l'a où la carte plasma? Et un dresseur qui cherche le mot de passe. Essaye de gagner si tu peux. Hein? Ah, on peut dormir ici. Voilà, c'est ça. Fais un gros dodo. Jackie fait un gros dodo. Et si c'est notre territoire, on laissera personne le ravager. Ah bah y'a pas de soucis. Oh le flot de les câbles, le flot. Eh grosse patate dans ta mère. Bah la patate. Ok je vais le jeter, je crois qu'il est pas bon. Il n'a pas one shot, on va le jeter je pense. Alors 140 d'attaque, pas possible de one shot un bagage au bout d'un moment. Wake up quoi. Bon bah retour dodo hein. Retour dodo. Jackie fait un bon gros dodo. C'est vrai que c'est un bon gros dodo, c'est agréable. Sauf quand il fait cette chaleur là. Bah du coup la carte Kiwi elle est dans la... elle est là.
Ah, ça, hein. La vie sur ce bateau, quel ennui. Heureusement, on va jouer. En fait, il faudrait que les câbles, ils apprennent d'autres trucs. Parce que bon, bah... En truc électrique, à part point éclair, il apprend pas grand-chose d'autre. Il faudrait qu'il apprenne, genre, du combat, ce genre de conneries. Ça serait bien. Oh, le bon berk. Le bon combat avec un Miasmax dans la cuisine, là. De quoi gâcher tout ce qu'il y a dans le frigo. Cette équipe est vraiment nulle. Non, bro, dis pas ça, bro. Cherche un homme à quel chiffre, dont 3 sont les mêmes. Eh, mais je sais. Mais j'ai, hein. Bien content d'avoir juste du pain, mais je me demande du pain et de l'eau tous les jours. Qu'en pensent les autres? Mais j'ai affronté, c'est bon, j'ai affronté tout le monde, là. C'était un truc de parler d'alarme. Parfait, je suis très fort. Très fort pour perdre mon temps à des mioches dans son genre, d'ailleurs. Et toi? Vas-y, quelque chose que tu veux. Allez, en garde. Ah, la carte kiwi? C'est elle qui possède la carte kiwi? Attends, je peux one-shot les scalpions avec, avec la 30 maintenant. Bah! Let's go. Les pauvres scalpions. Il vous manque seulement 7 niveaux pour être des monstres. Mais bon. Mais ouais. C'est dur, hein. C'est dur quand même, hein. La 5G est bonne pour les musiques, quoi. Mais les gens retiennent que Porionov. Alors qu'il y a le pont Hameau, il y a Arpentière et tout. Ah. 9, 9, 0, 9. Et la carte plasma. La carte plasma, tu peux pas tirer le mot de passe. C'est bon, j'ai tout. C'est une console de commande, elle nécessite l'emploi d'un mot de passe. Te saisir, oui. 9, 9, 0, 9. Mot de passe correct. Bah, tu m'étonnes, mon salaud! Tu m'étonnes, mon salaud! Allez, on y va. Salut, le geeker. Ah, attends, avant de bouger, je vais quand même vérifier si j'ai pas des capacités que je peux apprendre à les câbles du coup. Genre. Pitisol par exemple, est-ce qu'il peut apprendre Pitisol? Oui, il peut apprendre Pitisol. Incroyable. Très bien ça. Très bien ça, Pitisol. Est-ce qu'il peut apprendre surtout Griffombre? Est-ce que Griffombre peut l'apprendre? Et qu'il a pris Pitisol, c'est bien en vrai. Patapapa. Bon, on va essayer avec ça, c'est bon. Je viens de remballer mon ex. Oula, comment ça, chérie? C'est-à-dire. Bah, que vois-je, un des seuls de talent, sans aucun doute. Il est méritoire de pas venir jusqu'ici. Viens donc pour ta peine. Voilà le légendaire Pokémon Glace, Kyurem. Là, c'est Kyurem. Rem! Les torpilles qui ont transformé Janusia en fleuve de glace sont le fruit de notre supernelle science. La vertigineuse technologie de la Team Plasma, combinée à la puissance invincible de Kyurem. Il est temps de mettre un terme à tes prétentions échevelées. Ta perpétuelle ingérence est résumissible. Portons-y un coup d'arrêt définitif. Mais ça risque pas, putain! Et merci pour les barrières. Soit, je vous échénilerai en même temps. Bien. Ah, je vois.
Je vois le genre. Eh bah t'as bien fait. Vas-y, on OS exagère en vrai. OS exagère. Boum. Bah 140 de puissance. Bon, fracasse-tête juste pour un HP, c'est peut-être pas nécessaire, mais... C'est un accueil. Ah mais t'as bien fait. T'as bien fait. Allez, hop là. Leopardus, ça dégage. Ah non ! Oh monsieur ! Bon, les câbles. Bon, les câbles. Ça fait chier à l'avoir quand même, hein. Bon. C'est bien, il a OS. Il a OS, c'est bien. Maison. C'est Noxy. Après, Noxy, dans 15 minutes, c'est fini. Dans 15 minutes, on va faire autre chose. Mais ouais. On est bien avancé aujourd'hui, c'est bien. Bien que j'aurais bien voulu aller un peu plus vite. C'est bon. Peut-être, pépouillon. Attends, t'auras une VOD à regarder au pire. On va aller sur Isaac. On va faire des petites runs avec petite tête keeper là. Ça va être bien ça. Oui, je sais, Flammaria. Mais je t'ai expliqué, Famaria, que le monotype électrique, c'est pas forcément, ça veut pas forcément dire utiliser que du type électrique. C'est utiliser des Pokémon qui ont un de leur type électrique. Tout à l'heure, Magnézone, il est assez électrique et pourtant je m'en sers. Il m'a roulé la gueule. Hop là, SOS. Du coup, Pharamp et dragon électrique. Ce qui est très bien. Ce qui est très pratique quand j'en aurai besoin. Ah bah, c'est très bien. Très bien comme ça en vrai. Bien joué! Bien joué! Non, mais Noxy te fait pas avoir par Silent. Il fait des blagues, il met des capas, mais il oublie que le capa ne fait pas tout. Alors viens sur Terre, vieux débris! On perdra jamais contre la team Le Plasma! Mais putain, c'est quoi ce truc? Un Pokémon couvert de glace? Putain, c'est pas vrai, Janusa, c'était lui! Oh, quelle paix d'étalation inattendue! Ah! Fin de soirée compliquée. Avec tant de sagacité, pourquoi Diant se hasarder dans notre retraite? Tu sais pas, pour récupérer le Pokémon de ma fragile. Le monstre qui a volé le Sacripant de Pavoné, c'est toi. Un Sacripant, mais qui n'en a pas dérobé dans nos rangs? Comment le saurais-je, mettant entêtement et si bilain? Les Sacripants sont légion, pourquoi ne pas remplacer ta bestiole pouilleuse par une autre? Parce que c'est le Sacripant offert par Papy, bordel! C'était le seul souvenir qui restait de ma fragile de Papy! Ce Sacripant était... Attendez. Putain, ce Sacripant, il était unique au monde! Pas fou. Il était unique au monde! Ah, ça marche mieux comme ça. Ah, donc là, épargne-moi ce relatif monologue et ce single tueur. Un souvenir, mais apprends que c'est la membrance n'a d'importance que pour toi. Quelle trivialité pour autrui, ces Jérémiades sont tout à fait déplacées. Te rends-tu seulement compte de la splendeur de ce vaisseau? Cette mécanique qui n'est rien qu'un réceptacle destiné à abriter Kyorem est disposée à loisir de son incommensurable puissance. Grâce à elle, Unis, cela nôtre, c'est notre certitude. Oh, il semblerait que le repos et ses effets balsamiques, sur Kyorem, le pointeau ADN va bientôt pouvoir être mis à profit. À moi, Trio des Ombres. Tu te fiches de qui, ça, le perdant?
Coup du lapin, fin du jeu. Merde. Attendez. Attends, c'est pas celle-là. Ah, ah. Je fais changement d'écran. Je fais changement d'écran s'il faut. Hop. Salut Fatih. Ah, demande intérêt à gagner. Hein. Piou! Squalala! Merde. Faut changer de scène. Faut changer de scène à chaque fois. Hop là. Et bah tout s'envole. Par la puissance de QRM. Ah bah c'est parti. C'est parti. Team Plasma, escroc! Pourrait pas vous enfuir! Et moi je me demande vers où ils se font là-bas là. Bon, Chan. Je m'excuse de ce retard. Je pense qu'ils se sont envolés pour la grotte cyclopéenne. La grotte cyclopéenne, c'est au bout de la route 22 ça! Je fonce, Jackie, on se retrouve là-bas, ok? T'es ce Pokémon, QRM, c'est ça? Son Christ, t'es trop triste. Comment, QRM? Le Team Plasma utilise la puissance de QRM? Mais comment les arrêter en ce cas? Si QRM est bien un dragon légendaire comme le dit Watson, seul Reshiram ou Zekrom pourraient s'opposer à lui. Et là, ils sont tous deux disparus d'Unis. Faudrait retrouver un dresseur que l'un d'entre eux aurait reconnu digne. Je vais me charger de ces recherches. En vrai, moi, j'ai peut-être pas le temps... Parce qu'il est 50 quand même, hein. J'ai peut-être pas le temps de me lancer là-dedans, moi. Hein. J'ai peut-être pas le temps de me lancer là-dedans, moi. Hein. C'est compliqué, hein. Juste pour plaisir auditif, vite fait. Juste pour plaisir auditif. Oui, mais c'est... Oui, je sais, Flamari, je sais ça. Si, si, mais c'est compliqué. T'inquiète, on peut pas, t'embête pas. Attends. On va regarder un truc, tiens. C'est, je vais regarder la liste de DCT et je vais essayer de voir s'il n'y a pas de DCT que je peux récupérer. En vrai. Ok. Alors. Cascade, plongée, aiguisage, dracogriffe, c'est la tour dracospire, mais je peux pas y aller pour l'instant. Choc psy, c'est la grotte cyclopéenne, d'accord. Il y a plénitude. Plénitude, mais c'est dans une boutique, c'est 80 000. Et c'est Ogoès, je crois qu'Ogoès, on n'est pas encore allé. Lévi Kennedy, c'est quoi ça? C'est quoi Lévi Kennedy? Capacité non offensive. Permet de soulever la cible dans les airs pendant 3 tours. D'accord, c'est une compétence qui permet de soulever les Pokémon. Bizarre. Faut être un peu weird, mais bon. Route 13, c'est où ça? C'est une route que je peux pas aller pour l'instant. C'est plus facile à toucher. Non, ça fait qu'ils ils prennent pas l'attaque de type sol. Ah, c'est là la route 13. Vas-y, c'est là. Non, c'est juste en gros, ça les permet de ne... Ils volent, donc ils prennent... En fait, ça les transforme en type vol sans qu'ils prennent le type vol. C'est-à-dire qu'ils ont les avantages du type vol sans avoir le type vol, en gros. Donc en fait, ils prennent pas les pièges de rock, ils prennent pas les pièges toxiques. C'est autre chose, quoi. Alors sur cette route, je sais pas où, mais on va trouver. Il y a une CT pas mal. On va vérifier. Comment sur l'eau, je pense. Ouais, c'est une route qui est immense, quoi. Va falloir qu'on fouille un petit peu. C'est le tel de Lemon. Objet.
Sans doute bien pour les combats duo. Bah ouais, peut-être. Mais bon. C'est un peu bizarre. Ça reste un peu bizarre comme, comme truc, quoi. Là ? Ah, ça c'est bien ça. Ok. Ensuite, on a un tunnel, mais bon, tu es. Ah ! Alors peut-être. Alors peut-être. Juste que je vois, parce que je sais jamais où sont les routes. Mais si on peut, si on peut avoir ça. Ah, route 15. Je peux y aller à la route 15? Je crois pas que je puisse y aller malheureusement. Je crois pas que je puisse y aller malheureusement. Eh bah bonne nuit, émissaire des bons. Des bisous. Pourquoi t'as pas pris au massacre à la place de les câbles? Parce que les câbles est à chier. Autrement le fait qu'il a, il a lévitation, c'est un Pokémon nul, je suis désolé. Si t'as pas de CT, c'est un Pokémon nul. Après, qui dit que je l'ai pas pris? Qui dit que je l'ai pas pris, chérie? C'est pas parce qu'il est pas dans l'équipe que je l'ai pas. Ah. Ah. C'est pas parce qu'il est pas dans l'équipe que... Regarde. Hop. Il est là, hein. Mais c'est juste que malheureusement, bah, il a pas... Regarde, tu vois, il a Machouille, Tonnerre, Rayon Chargé, Cage Éclair, voilà. En fait, le problème de Massacre, c'est qu'il apprend pas de capacité lui-même. C'est ça le défaut de Massacre. C'est que t'es obligé d'avoir des CT pour qu'il soit bien. Donc en gros c'est un Pokémon qui est fort mais en fin de jeu. Sauf que là bah j'en ai pas. J'en ai besoin un peu plus loin que le hors-jeu quoi. Enfin fin de jeu quoi. Je préfère avoir Magnézone en vrai. Qui peut taper sur l'acier et tout, c'est quand même mieux je pense. Parce que ouais, du coup les gens voient le positif. Voient le fait qu'il a lévitation mais. C'est un Pokémon qui est pas... voilà quoi. Bah niveau 25. Bah ouais, pardon. Hop bah. Allez, au revoir. Enfin, pardon. Je peux passer par là ou ils vont me dire non? Je pense qu'ils vont me dire non. Hein. Ah. Bon enfin l'ascenseur est en panne ou quoi? Ah non! Mais je voulais aller sur la route 15, il y avait séisme. Bon. On attendra. Ah, route 23? On va aller voir. Route 23, un petit lance-flamme qui traînasse. Est-ce que route 23, je peux y aller? C'est toujours la même question finalement. Dès qu'il y a un truc, c'est est-ce que c'est route machin, d'accord, mais est-ce que je peux y aller? Route 19, route 20. Bah c'est après la route cyclopéenne du coup. Après la route cyclopéenne donc pas pour l'instant. Où est-ce qu'elle est celle-là? Non, je peux pas l'atteindre. Il y a tellement de trucs bien que je peux pas les avoir. Ça je peux pas l'avoir non plus. Exploforce veine souterraine. Bah je peux pas l'avoir maintenant, je sais plus. Je sais plus mais je verrai plus tard. Embargo, explosion, non. Griffon, non, non, non. Lame de roc, mon forêt. Ah. Attends, bon, je peux récupérer lame de roc. Pas qui s'en servira. Dracoqueux, c'est récupéré, machin, picor, machin. Ouais, bon, bah, y'a plein de trucs que je peux avoir, mais pas maintenant, quoi, en gros. Très bien, bah, faudra qu'on avance dans l'histoire, tout simplement. Faudra qu'on avance dans l'histoire, donc on va aller se caler à. Papeléwa. Et puis on continuera ça lundi, puis en espérant. Bah, du coup, il y aura peut-être lundi et vendredi, du coup, hein, si vendredi, on va faire un peu de endgame. On aura encore un petit peu de taf. Tout à fait. J'aurais pas dit mieux. Bon bah allez, let's go hein. Fin de session, reprise plus tard. Là on va aller sur Isaac, tranquille.